Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur la série des exercices du langage SQL. Donc, bien sûr, concernant une base de données SQL Server. Donc, l'exercice d'aujourd'hui. Donc, on va voir comment calculer le chiffre d'affaires du vente. Bien sûr, on va utiliser l'ensemble des instructions et des requêtes pour récupérer le chiffre d'affaires des ventes à travers ou en passant par la table vente. Voilà. Ensuite, on va calculer le chiffre d'affaires des ventes par. Donc, bien sûr, pour chaque catégorie et ainsi de suite. Donc, bien sûr, la première question. Donc, calculer le chiffre d'affaires du vente. Automatiquement, je dois s'assurer que la base de données sélectionnée, c'est notre base de données. Donc, c'est laquelle on travaille, c'est la base de données Books. Et voilà. Donc, voilà. Donc, pour calculer le chiffre d'affaires des ventes, le chiffre d'affaires des ventes, tout simplement, c'est la quantité vendue fois le prix de vente. Automatiquement, je vais sélectionner les deux. Champ de variable, je vais mettre ici donc select. Voilà, je vais commencer à mettre la clause ici de from donc vente. Donc, comme ça, la requête détectera automatiquement les champs de cette table. Voilà, je vais mettre ici donc la quantité. Comme ça, comme vous voyez ici, donc la requête détectera automatiquement le nom du champ de la table vente. Voilà, et je vais multiplier donc la quantité vendu fois le prix, et c'est le prix de vente. Très bien. Donc voilà. Donc si je vais exécuter, donc on voit ici, donc il va faire la multiplication du champ quantité de vente fois prix de vente, donc ligne par ligne. Voilà. Nous avons dit que je vais récupérer le chiffre d'affaires global des ventes. Bien sûr, je vais mettre ici donc la fonction ici qui va faire la sommation de ces produits. Donc il va faire la sommation de ces produits. Voilà. Donc somme. Comme ça. Donc, c'est une fonction d'agrégation, donc elle s'appelle somme. Très bien. Donc, si je vais exécuter, donc on voit ici, donc il a donc fait la somme du quantité fois prix ligne par ligne. Très bien. Donc, voilà, je peux mettre ici un nom à cette variable ici. Donc, je vais mettre ici as, comme ça, donc chiffre d'affaires, par exemple. Très bien. Voilà, donc le nom de la colonne et s'appelle ici donc chiffre d'affaires. Donc voilà, si je vais par exemple ajouter ici donc voilà donc le symbole monétaire ici par exemple l'OMAD pour le dirham marocain. Donc je vais utiliser une fonction concat qui va concaténer par exemple donc cette valeur avec une autre chaîne de caractères. Voilà. Donc voilà, je vais utiliser une fonction qui s'appelle concat. Ça veut dire concaténer si souder une chaîne avec une autre ou une variable avec une autre. Très bien. Donc voilà, donc la première paramètre sera donc la première valeur ici. Donc je vais mettre ici virgule. Et voilà, je vais ajouter le symbole monétaire MAD comme ça et je vais fermer la parenthèse. Très bien. Je vais faire un toile ici. Comme ça, c'est très bien. Donc je vais exécuter. Très bien, comme vous voyez. Donc j'ai ici donc le chiffre 12 453 donc en symbole monétaire MAD. Très bien. Donc voilà pour la première question. Donc c'est bon. Très bien. Donc la deuxième question. Donc calculer le chiffre d'affaires des ventes donc pour chaque catégorie. Très bien. Donc voilà. C'est tout simplement, je vais donc calculer le chiffre d'affaires des ventes. Bien sûr, la quantité vendue fois le prix de vente. Mais je vais faire ce travail ou ce calcul pour chaque catégorie. Donc, on voit ici, donc c'est le schéma de la base de données. Donc, la table catégorie donc, se trouve ici. Donc, il est lié bien sûr à la table vente par la table ces livres. Automatiquement, je vais mettre ici une jointure donc, pour récupérer le champ catégorie. Très bien. Donc, voilà. Donc, je vais mettre la même requête ici. Donc, select. Donc, la quantité, l'ensemble des quantités vendues fois le prix de vente, bien sûr, as chiffre d'affaires, mais je dois ajouter ici donc la catégorie. Bien sûr, je vais mettre ici donc from vente, par exemple, as V. Donc, comme ça, je vais donner un alias à la table vente. Donc, inner join, donc la table livre. Voilà. Donc, as L, bien sûr, on, donc, v.as
voilà, I deliver. Donc, il est égal à, donc, L.IDeliver. Pardon. IDeliver. Très bien. Et ensuite, donc, InnerJoin, donc, bien sûr, catégorie. Pardon, InnerJoin. Donc, la table catégorie as, par exemple, comme un alias as c, bien sûr, en ajoutant la contrainte en c.id catégorie, donc est égal, donc l.id catégorie. Très bien. Mais je dois ajouter, lorsque je dis c'est donc pour chaque catégorie, ça veut dire je vais faire un regroupement pour chaque catégorie. Ici, je vais ajouter. Donc, group by. Donc, bien sûr, c point. Donc, catégorie. Donc, bien sûr, je vais ajouter, lorsque je fais ici, donc, regroupement sur catégorie, automatiquement, je vais ajouter ici, donc, le champ catégorie. Donc, je vais commencer avec, voilà, c point catég. Comme ça. Donc, je vais afficher, bien sûr, chaque catégorie et le chiffre d'affaires à côté. Très bien. Donc, si je vais exécuter automatiquement, voilà, je dois avoir par exemple la catégorie base de données. Donc, le chiffre d'affaires, c'est 3705 par exemple. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour le classer, bien sûr, de plus grand au plus petit. Donc, bien sûr, nous sommes basés sur le chiffre d'affaires. Donc, je peux mettre ici. Donc, order by. Voilà. Très bien, je vais mettre comme ça. Donc le chiffre d'affaires et voilà descendant. Très bien. Très bien, comme vous voyez ici, donc 3025, voilà 3705 et ainsi de suite. Voilà. Donc le chiffre d'affaires, il ne s'agit pas d'un champ bien déterminé dans la table, donc il est une valeur calculée. Automatiquement, je vais mettre ici donc order by, donc la valeur de chiffre d'affaires, bien sûr, pour chaque catégorie. Et le trait, il est décroissant. Voilà. Donc voilà pour la troisième exercice. Donc, pardon, pour la troisième question. Donc, calculer les montants des achats effectifs pour chaque client. Donc voilà. Je vais afficher ici donc le nom du client et bien sûr le montant effectif des achats pour ce client. Voilà. Je vais bien sûr donc lancer une nouvelle requête, tout simplement. Voilà. Et je vais mettre ici. Donc je vais afficher le montant des achats. Bien sûr, le montant des achats. Donc, je vais mettre ici. Donc select. Bien sûr, from vente. Pardon, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais sélectionner? Bien sûr, je vais sélectionner la somme. Des quantités, pardon, voilà. Donc voilà, je vais sélectionner ces des quantités vendues. Donc multiplier, donc bien sûr le prix de vente. Et bien sûr, je vais mettre ici donc la somme de ces produits. Très bien. Donc as, par exemple, je peux mettre ici montant. Très bien. Donc vous voyez, donc c'est la somme des montants. Bien sûr, ici, donc c'est la somme des montants global. Mais je vais faire un regroupement sur le client. Pour chaque client, ça veut dire que je dois faire un regroupement sur les clients. Bien sûr, la liaison entre la table vente et la table client, donc ça passe directement donc, avec l'ID client. Très bien. Donc je vais, bien sûr, lorsque je vais mettre ici from vente, et je vais ajouter l'alias ici, donc from vente v, bien sûr, inner join. Je vais faire une jointure entre la table vente et la table client. Donc la table client sera par exemple C ou CL par exemple. Donc on, ajouter la contrainte pour la liaison. Donc on CL point, donc ID client, voilà, est égal, pardon, donc est égal. V.id client.
Très bien. Et ensuite, je vais ajouter, bien sûr, donc un regroupement, c'est le nom, par exemple, des clients, bien sûr, au group by. Voilà, group by. Pardon, group by. Donc, c'est le point, le nom du client. Très bien. Si je vais exécuter, elle va afficher, bien sûr, donc client par ligne pour chaque client ici, mais je dois afficher le nom du client. Je vais l'ajouter ici, donc au début de la requête. Comme ça, très bien. On va essayer, donc c'est le nom du client et les achats ou le montant des achats effectifs pour chaque client. Très bien. La quatrième question, donc c'est comment calculer le montant de vente effectif par année, bien sûr, et par mois. Voilà. Donc, bien sûr, je vais commencer à exécuter donc la requête qui va récupérer donc, le montant effectif par année. Donc, pour récupérer l'année, bien sûr, je vais passer par la date de vente. Donc, il se trouve dans la table vente. Voilà. Donc, je vais créer une nouvelle requête. Mettre ici, donc, voilà, donc, select. Bien sûr, from, donc, vente. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, bien sûr, la somme, donc, quantité vendue, donc, fois, donc, le prix de vente. Et voilà. Et je vais mettre ici, donc, bien sûr, la somme de ces produits. Très bien. Mais je dois regrouper ici par année. Bien sûr. Je vais mettre ici, donc, Go by. L'année, je vais utiliser la fonction year pour récupérer l'année, bien sûr, de la date, date vente. Voilà, donc c'est date vente. Très bien. Donc si je vais exécuter, donc on voyait, donc c'est pour chaque année, donc nous avons effectué, donc bien sûr, un montant d'achat est équivalent. Très bien, donc je vais mettre ici, je vais ajouter ici donc montant. Voilà, mais je dois afficher ici l'année. Automatiquement, je vais mettre ici donc au début de la requête. Donc je vais mettre ici hier. Très bien, donc date vente. Donc comme ça, et je vais mettre ici donc ici date vente. Très bien. Donc, pour chaque année, par exemple l'année 2016, donc bien sûr, nous avons donc 1720, 2017 et ainsi de suite. Donc, je vais ajouter ici un alias pour cette expression, donc as année par exemple. Très bien. Voilà, donc pour l'année 2016, nous avons bien sûr 1720 et ainsi de suite. Pour l'année 2019, donc 6215. Très bien. Donc voilà, si je vais ajouter bien sûr un autre regroupement sur le mois, voilà, donc automatiquement je vais mettre ici, voilà, donc je vais mettre, attention, donc je vais afficher bien sûr l'année, je vais faire un tour à la ligne ici et je vais afficher bien sûr le mois. Donc pour le mois, je vais utiliser la fonction month, voilà. Et je vais passer ici la date vente. Très bien. Un autre regroupement, donc soit fait ici, donc group by, voilà year, date vente. Et bien sûr, je vais mettre ici, donc le month, ça veut dire le mois. Bien sûr, date vente. Très bien. Donc, vous voyez. Si je vais exécuter, très bien. Je vais mettre ici donc as mois. Très bien. Donc voilà qu'on voit ici donc pour l'année 2017, bien sûr pour là. Pardon, pour l'année 2017, le mois 1, donc j'ai ici donc 2260. Donc 2019, le mois 1. 780 et ainsi de suite. Par exemple, le 2016, donc le mois 12, c'est
250. Je peux mettre ici donc un order by. Donc order by. Donc et je vais mettre ici donc l'année. Bien sûr, je peux mettre ici décroissant. 10 comme ça. Et bien sûr, je peux mettre un autre tri. Oh, bien sûr, un autre ordre, c'est date, bien sûr, sur le mois, descendant au ascendant. Comme ça, très bien. Si je vais exécuter, donc, on voit ici 2019, 2018, 2018, pardon, 2017 et 2016. Je peux inverser ici. Très bien, 2016 et ainsi de suite. Très bien. Donc voilà, donc la cinquième question, donc comment bien sûr afficher le client. Donc ayant un montant des achats supérieur ou inférieur à la moyenne, bien sûr, générale des achats effectifs pour l'ensemble des clients. Voilà, cet exercice ou cette question, donc il est un peu composé. Donc je vais bien sûr calculer la moyenne des achats donc effectués, la moyenne générale des achats effectifs par l'ensemble des clients. Bien sûr, avant de faire la moyenne, bien sûr, je vais afficher la somme. Pour le montant effectif pour chaque client et ensuite je vais appliquer la fonction somme pour récupérer la moyenne des achats des clients. Voilà. Donc je vais commencer donc à calculer donc la moyenne générale des achats effectifs par l'ensemble des clients. Très bien. Donc voilà. Donc je vais créer une nouvelle requête. Donc pour calculer la moyenne générale des achats effectifs par l'ensemble des clients, bien sûr je vais calculer donc la moyenne ou le montant donc effectif pour chaque client. Voilà. Donc je vais mettre ici donc select. Donc voilà. Donc pardon. Donc la quantité. Je vais mettre ici from. Donc vente. Qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner bien sûr la quantité vendue. Donc multiplié fois le prix de vente. Très bien. Et je vais faire bien sûr la somme de ces quantités. Très bien. Donc voilà, donc je vais sélectionner bien sûr la somme, mais je vais faire un regroupement pour chaque client. Très bien. Donc pour chaque client, je vais tout simplement, je peux faire un regroupement sur l'aide des clients sans passer. Si je n'ai pas besoin bien sûr du nom du client ici, donc je peux utiliser un regroupement sur l'aide des clients sans passer par le nom du client. Voilà. Et je vais mettre ici donc go by. Go by. Donc ID client. Parce que l'ID client donc appartient à la table vente et ensuite il appartient à la table client. Donc si je vais mettre voilà exécuter. Donc voilà, il va afficher le montant effectif pour chaque client. Très bien. Donc la première étape. C'est cette étape, je vais la renommer donc as rec par exemple montant client. Très bien. Comme ça, donc c'est très bien. Donc voilà, je vais la renommer ici donc select. Donc cette variable, je vais la renommer ici donc somme par exemple des quantités. Voilà, donc fois prix, comme ça. Donc si je vais l'afficher, très bien. Et ensuite, donc pour appliquer la moyenne pour ces variables ici, donc pour trouver la moyenne des montants effectifs par l'ensemble des clients, donc je vais appliquer bien sûr la fonction moyenne pour la variable somme des quantités prix, donc bien sûr générée par cette requête. Donc voilà, je vais mettre ici donc select. Voilà, AVG pour afficher la moyenne. Donc AVG, donc bien sûr, je vais utiliser cette variable. Donc c'est l'AVG, bien sûr, somme des quantités prix. Voilà. From. Bien sûr, cette requête. Donc, je dois, donc pour utiliser cette instruction, je vais renommer donc cette requête entre parenthèses. Je vais donner un nom à cette requête ou sous-requête. Très bien.
Donc voilà, si je vais sélectionner comme ça et je vais exécuter, je peux la renommer ici, donc par exemple, as. Donc moyen, moyenne. Très bien. Voilà. Donc si je vais exécuter, bien sûr, comme ça, je vais calculer la moyenne générale des ventes effectuées par l'ensemble des clients. C'est la moyenne, c'est bien sûr 1000. 285,30. Voilà, donc c'est la moyenne générale des montants ou des ventes effectuées par l'ensemble des clients. Très bien, donc c'est la première partie de la question, donc c'est faite. C'est donc comment calculer la moyenne générale bien sûr, des montants effectués par l'ensemble des clients. Je vais compléter la question ici. Donc je vais continuer à répondre à cette question. Donc, afficher les clients ayant un montant des achats supérieur ou inférieur à la moyenne générale des achats. Bien sûr, la moyenne générale des achats a été calculée. Donc, je vais tout simplement, je vais mettre, bien sûr, cette moyenne comme une contrainte de la requête qui va venir. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, pour afficher donc les clients et le montant de chaque client, voilà, je vais mettre une autre requête ici. Donc voilà, je vais mettre ici donc select from vente. Donc bien sûr, j'ai dit que je vais afficher le nom du client. Donc, automatiquement, je vais utiliser une jointure entre la table vente et la table client pour afficher le nom du client. Donc voilà, je vais mettre ici donc voilà donc from vente. Pardon. Donc as V. Donc inner join. Client, voilà, as sell. Bien sûr, avec la contrainte on, donc sell.id client, pardon, est égal à, donc, v, pardon, .id client. Très bien. Je vais afficher, bien sûr, le nom du client, donc c'est sell.nom client. Donc, virgule, je vais afficher le montant effectif pour chaque client. C'est la somme, bien sûr, des prix de vente. Donc, prix-vente. Donc, fois la quantité vendue, je pense, comme ça. Très bien. Mais je dois, bien sûr, ajouter un regroupement sur le nom des clients, bien sûr, pour calculer, donc, pour chaque client. Donc, voilà, order by. Order by, donc c'est L.nom client. Si je vais exécuter, je vais bien sûr sélectionner la requête et je vais exécuter cette requête tout seul. Automatiquement, attention ici. Pardon, il faut faire attention, c'est pas order by mais group by, pardon, c'est group by. Très bien. Si je vais sélectionner cette requête et je vais bien sûr l'exécuter, donc on voit ici donc le nom du client, donc bien sûr, et le montant effectif pour chaque client. Je vais donner bien sûr un nom à cette variable ici, donc as, par exemple, montant. Très bien. Comme ça, c'est bon. Donc maintenant, comment je vais avoir, bien sûr, le montant? Donc les clients ayant un moyen des achats supérieur ou inférieur à la moyenne générale des achats. Donc la moyenne générale des achats, donc il est calculé avec cette requête. Automatiquement, je vais mettre ici donc la clause having. Sûr, voilà, donc having, donc cette variable ici, donc son prix unitaire, ça veut dire le montant effectif pour chaque client, donc soit supérieur, par exemple inférieur, bien sûr, à cette requête. C'est pas la requête, mais bien sûr la valeur retournée par cette requête. Je vais mettre les parenthèses ici et parenthèses ici. Donc voilà, comme ça, c'est bon. Très bien, donc having donc le montant effectif pour chaque client, donc inférieur parce que cette requête elle affiche bien sûr le moyen des achats effectués par l'ensemble des clients. Donc si je vais afficher, donc on voit ici donc le montant des achats moyen général c'est 1285,30. Très bien. Mais les moyens, je dois avoir bien sûr les moyens inférieurs à cette moyenne affichée précédemment. Très bien.
Bien sûr, si je veux faire par exemple les six supérieurs, donc automatiquement je vais afficher ici, donc les clients ayant un moyen des achats, donc supérieur, bien sûr, à la moyenne générale des achats. Et je vais bien sûr afficher, donc j'ai dit que par exemple 1280, 450, je ne sais pas, donc comme ça. Donc c'est la moyenne générale, si je vais afficher, donc je vais avoir bien sûr. Donc, les valeurs supérieures à la moyenne générale du montant effectif par l'ensemble des clients. Très bien. Donc, voilà. Donc, il faut bien mémoriser. Donc, je peux faire plusieurs sous-requêtes pour récupérer, bien sûr, une valeur. Voilà. Donc, j'ai fait ici donc, la première requête pour. C'est la première requête qui va afficher, bien sûr, les montants de chaque client, bien sûr, effectifs pour chaque client. Voilà. Après, j'ai appliqué ici une deuxième requête qui va afficher bien sûr la moyenne de ces montants. Voilà. Pardon, voilà, je vais mettre comme ça. Très bien, c'est la moyenne. Et ensuite, je vais utiliser cette valeur récupérée par ces requêtes donc pour récupérer bien sûr le nom des clients ou les noms des clients ayant un moyen supérieur ou inférieur à cette valeur. Très bien. Donc voilà pour la dernière question. Donc bien sûr nous arriverons à la fin. Donc pour la dernière question, donc je vais afficher bien sûr le nom du client, bien sûr qui a fait le maximum des achats. Très bien. Donc c'est la même réponse que sur la cinquième question. Automatiquement, je vais bien sûr récupérer le maximum des achats effectués par l'ensemble des clients. Donc voilà. Donc je vais utiliser ici donc les montants. Pardon, ici, afficher les montants effectifs pour chaque client. Voilà. Donc, bien sûr, ici, je ne vais pas utiliser la fonction AVG, mais je vais utiliser la fonction max. Donc, qui va récupérer, bien sûr, le max de ces montants. Donc, si je vais exécuter cette requête toute seule, voilà. Pardon, je vais comme ça. OK. Pardon, c'est 1900. Pardon, c'est 1900. Je vais voir à nouveau. Donc très bien. Donc voilà, j'ai ici donc 6900. Donc là, le maximum, bien sûr, du montant effectué, donc c'est 1900 pour chaque client, bien sûr. Donc c'est 1910. Et voilà, donc pour récupérer, bien sûr, le client qui a fait le maximum des achats, automatiquement, je vais mettre ici. Donc voilà pour la requête principale ici. Donc je vais afficher le client. Et le montant effectif pour chaque client. Bien sûr, la requête suivante. Donc, il va calculer le maximum du montant effectif. Bien sûr, le maximum pour l'ensemble des clients. Donc, il va afficher le maximum ici. Donc, si je vais bien sûr cliquer sur exécuter, automatiquement, donc voilà, le client, donc bien sûr, ça lui manque qui a par exemple le maximum, bien sûr. Achats effectués. Très bien. Donc voilà. Donc il faut mémoriser bien. Donc on peut utiliser plusieurs requêtes, plusieurs sous-requêtes pour récupérer certaines valeurs. Bien sûr, je peux utiliser, donc voilà, comme notre cas. Donc voilà la première sous-requête. Donc il va afficher les montants pour chaque client. La deuxième sous-requête qui sera appliquée à la première sous-requête. Voilà qui va afficher. Donc, il faut faire attention, donc ici c'est, voilà, je vais bien sûr, cette expression, donc il est nommé ici, donc bien sûr, somme quantité prix. Donc voilà, je vais appliquer le maximum pour somme quantité prix et je vais la renommer ici, donc c'est pas moyen général, mais le max, max MNT par exemple, le max montant. Très bien. Donc, bien sûr, from, ça veut dire from cette requête. Donc, voilà, je vais donner bien sûr le nom, comme ça, donc cette requête, elle est nommée par exemple rec, montant par client, ou son montant par client, voilà. Donc, voilà, je vais récupérer à travers de ces sous-requêtes, je vais récupérer voilà, le maximum des achats effectués par l'ensemble des clients. Très bien. Donc après, je vais bien sûr, pardon, voilà, donc, pardon ici, donc, voilà,
Pardon. Et voilà, donc si c'est le maximum. Donc et après, je vais bien sûr utiliser une autre requête qui va calculer donc chaque client et le montant effectué. Et ensuite, je vais utiliser donc une clause, donc having, ça veut dire le montant effectué, est égal à le maximum des montants effectués par l'ensemble de clients. Et voilà. Donc merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.